Salut tout le monde, c'est Waniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Shiny. Comme vous l'avez vu sans doute dans le titre de la vidéo, je viens de trouver l'Arveillette Shiny, donc c'est le troisième l'Arveillette que je trouve. Les deux premiers datent, vu que c'était quasiment mes premiers Shiny dans noir et blanc. Il y a quand même pas mal de temps. Et donc là, on est dans Pokémon Écarlate. Ça fait quelques jours que les DLC sont sortis. On est aujourd'hui le vendredi 15 septembre. Il est 19h40, comme vous pouvez le voir ici dans le coin. Hop, ici dans le coin, voilà. J'essaye de filmer sur ma télé. Et donc à 19h, je vais regarder l'heure pour être précis. 19h32, je suis tombé sur un nouveau chromatique. Donc dans les DLC de Pokémon Écarlate. Ils sont sortis mercredi, donc ça fait 2 jours. J'avance pas forcément à un rythme très fort, très intense. Je prends mon temps dans le jeu. La première journée, déjà, j'avais pas eu trop le temps de jouer. Et j'ai eu des petits bugs avec le DLC d'ailleurs. En fait, entre l'achat des DLC et la sortie, j'ai changé de Switch et donc j'avais transféré ma sauvegarde de mon ancienne Switch où j'avais téléchargé et acheté le jeu, les DLC, à mon autre Switch, ma nouvelle Switch. Et donc là, en voulant lancer les DLC, en fait, le contenu n'était pas téléchargé, mais j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi. Donc j'avais retransféré ma sauvegarde sur mon ancienne Switch, puis retransféré sur celle-ci en ayant peur de perdre mes Shiny et tout, c'était assez risqué. Au final, la première cinématique s'est déclenchée, donc le Moti Smart qui m'appelle avec le professeur Jacques, Bria qui nous fait le discours à l'académie, et impossible de prendre l'avion. Et en fait, c'est parce que le contenu n'était pas téléchargé, mais pourtant, voilà, il y a une partie du contenu qui s'est lancée. Donc, allez, je vais vous montrer peut-être la rencontre et après on regardera le Shiny. Ah, c'est ma première capture, c'est marrant. Donc j'étais en plein combat, voilà, contre un Mimigal sauvage. Donc là, vous voyez, il y a plein de Pokémon sauvages qui passent. Et là, tout au bout, à gauche, au fond à gauche, on voit un Larvitar Shiny. Donc, je vais baisser un tout petit peu le son. Mais en fait, voilà, j'ai tourné l'écran, j'ai tout de suite vu qu'il était Shiny. Hein. Il a le nez orange, les feuilles vert turquoise au lieu d'être vert pomme. Et son visage vert pomme. Donc voilà, et derrière j'ai fait la rencontre. Donc j'ai sauvegardé, hein, comme vous l'avez vu. Et une fois que j'étais sûr, hop, j'ai foncé dessus. Et donc les étoiles. Ok, donc ce Shiny est le 2683e depuis Meditica. Donc je suis content. Le chiffre est pas énorme, hein, mais voilà. Donc là, on va s'occuper de la capture. Je pense qu'il a rien de trop dangereux, et puis j'ai sauvegardé, donc voilà. Et ce qui m'embête, c'est que c'est mon troisième Larveillette, donc j'ai toute la famille maintenant, donc il va pas falloir faire de... J'aimerais ne plus le retrouver maintenant que je les ai, que je l'ai autant trouvé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'endormir. J'ai brasier, donc normalement il n'y a pas de risque. Allez, c'est parti, on y va. On n'a pas peur. Je sais pas comment j'ai cadré, est-ce que le cadrage est propre? J'arrive pas trop à savoir. Ok, étoile gluante. J'ai l'impression que c'est plutôt propre, mais je fais au mieux, hein, je vous avoue. Donc c'est un mâle, niveau 58, quand même les niveaux assez costauds. On va y faire un petit bâillement. Ah, il a ténacité, bon. Pour l'instant, toile gluante, ténacité. Normalement, ça n'a rien de très dangereux, hein, l'Arveillette. On va l'endormir. Donc voilà, 19h32, le 15 septembre 2023. Voilà, je préfère répéter les choses pour être sûr. Je suis pas trop pour les bols de Johto. J'ai déjà attrapé, je crois, dans une Honor. On va aller soit sur. C'est pas évident, il n'y a pas grand-chose qui lui va vraiment très très bien. Allez, on va aller sur une sombre, tant pis. Pareil, je sais pas s'il évoluera en Manternelle ou pas.
Ok, il sort. Très bien. Bourdon, ok. Bon, voilà. Mais... problème aussi des DLC, c'est qu'on est tout... ben, on est niveau 100 à peu près. Donc un peu trop haut niveau. Après, ils ont essayé quand même d'adapter pour les combats de dresseurs, tout doucement, j'ai l'impression. Donc là, je venais d'aller à l'antre interdite. Et yes, donc je l'ai attrapé. Très bien. Donc il est 19h45. Insecte plante, Pokémon enregistré, je les avais pas attrapés. Hein. Ça m'intéresse pas d'attraper d'autres Pokémon que ceux de la 9G. Je les ai déjà, moi, les larveillettes, dans la 5G. Ils fabriquent des vêtements en rongeant les feuilles des arbres et en prenant pour modèle l'habit végétal dont Manternelle l'a vêtu. Insecte plante, Pokémon couture. On va l'inclure dans l'équipe pour l'instant. On va le mettre à la place de. Tiens, hop. Voilà. Donc il se voit facilement, même s'il n'est pas très grand. Je me fais attaquer par un Médiéna. Logique. On fuit. Alors. Donc je. Bah, vous voyez ma localisation. Alors attendez. J'aurais dû sauvegarder, c'est pas très grave. Je vais vous montrer la carte. Donc. Voilà où je l'ai trouvé. Et je venais de l'antre interdite, je venais de voler ici en planant et j'allais aller chez Cassis. Mais voilà, donc j'avais vu des Pokéballs ici, j'ai tout pris. Donc vous voyez, il y avait Pichu, tout ça. On va le mettre en première position. On va d'abord regarder le résumé. Je sauvegarderai juste après, c'est pas très grave. Donc le voilà, tout shiny. Terra Crystal, Insecte. Donc avec mon déo. Il avait ténacité, gigotage, bourdon, étoile gluante, donc rien de dangereux. Il est docile de nature, donc nature neutre, à attraper donc le 15 septembre, comme je vous le disais. Il est attentif au son, donc avant c'était potentiellement 31 d'IV en vitesse. Je sais même pas si je peux regarder. Si, on va faire. Il y a le juge, hein, si je dis pas de bêtises. Il a chlorophylle. Il est exceptionnel en vitesse, donc j'avais raison, il est 31 en vitesse. Par contre, il est vraiment très naze sur le reste, malheureusement. Bah, après, voilà, c'est un shiny, c'est le risque. Est-ce que je vous avais bien montré l'image? Oui, je vous l'ai montré. Il faudrait que je vous le montre à côté d'un autre... Voilà, on va aller là. Tiens, viens, viens là, toi. Yes! Donc vous voyez, hein, la tête prend la couleur des feuilles d'origine à peu près, un vert pomme. Les pattes, au lieu d'être orange, elles sont orange-rouge, quoi, très foncées. Et vous avez donc la feuille de derrière qui passe au vert foncé. Au lieu de ce vert, un peu pomme, vert feuille. Voilà. Donc voilà, petite rencontre. Non, plutôt Pokédex. Attendez, on va sauvegarder, déjà on arrête de faire le fou. Ok. Donc ouais, j'avais pas la coche en plus du contenu téléchargeable, vu que je l'avais pas téléchargé sur cette console. Je veux faire quoi? Je veux... pas du tout. Je suis un peu en galère avec les touches. Je vous avoue que ça fait pas mal de temps que j'avais pas joué à Écarlate. Alors déjà dans le profil, voilà, je voulais voir. Pokémon chromatique combattu 22, apparemment. Donc je devrais en avoir 22 dans mes boîtes. À moins qu'ils comptent les évolutions, je sais plus. On va regarder. Bizarre. Je suis à 20, on est d'accord. Hein. Pourquoi alors j'en ai autant? Si c'est 6, 12, 18, 19, 20. Et pourtant 22 shiny. Alors là, faudrait que je revoie mes anciennes vidéos. Je sais plus. Je suis un peu. Je comprends pas en fait. 22 shiny combattus. J'en ai pas fait évoluer. Bon, assez bizarre. Je regarderai de mon côté.
Sauf si vous avez les explications, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pourquoi 22 shiny? Ça me parle, mais là j'ai pas le. J'ai plus les explications. Il n'y avait pas des shiny offerts. Ah, il y avait des shiny offerts. Attendez. Je sais que j'éternise la vidéo un peu pour rien, mais hop, je veux juste vérifier. Je crois qu'on a des shiny offerts. Non. Ici, on a. Yes, Arcanin, Shiny. Et Angoliath, Shiny offert. Ok. Ah bah les petits salauds. Hein. Ils m'ont mis un petit coup de pression. Je pense que c'est ceux-là qui sont considérés comme Shiny sur ma carte. Mais c'est marrant, hein, ils m'ont combattu. Je les ai jamais combattus. Mais je pense que c'est ça. À vérifier. Et donc, dans le Pokédex, on en est. Touk! Voilà. Et de dos. Bah non, on peut pas. Je peux pas vous le montrer en sautant de dos. Ok. Bah voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau Shiny. Bonne chance à vous. Profitez à fond des DLC. Je pense que, en vrai, ça doit se torcher assez vite. Donc, profitez à fond avant que. Les prochains DLC sortent en décembre. Essayez de prendre votre temps sur le jeu et de trouver des shiny comme moi. Malheureusement, l'Arveillette, c'était pas forcément. J'aurais préféré un Polshagest, même s'il est assez discret apparemment. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!